Nous partons de Bandol le 22 mai 1994 en direction de Mahon. Sur ce bateau de 14 mètres et demi, nous sommes 10. Notre point commun, nous sommes des collaborateurs de l'Hospice Général. Pour certains, c'est la première fois qu'ils se font connaissance, ainsi que l'expérience de naviguer 15 jours en mer. Notre première grande rencontre seront avec les dauphins qui, pendant près d'une vingtaine de minutes, resteront jouer devant l'étrave du voilier pour la plus grande joie de Carla, qui mourait d'impatience de rencontrer. Oh, ouais, je préfère la vidéo. Moi, je préfère les jumelles. Ah non, mais c'est... Quoi dire de plus après ces journées de mer avec une équipe formidable, une nature merveilleuse, sinon que de sortir des bribes de souvenirs fantastiques, comme la rencontre avec les dauphins après de les avoir tant attendus, ou la traversée qui a duré 2 jours et 2 nuits pour arriver à Port-Mahon un matin à 6h avec la pleine lune et une éclipse. Ou encore les souvenirs des quarts, les plus durs, ceux de 3 à 6, quand l'air est le plus humide, les parfums de romarin et de myrte, les mouillages féeriques ou l'eau encore trop froide, les couchers de soleil, la bonne ambiance et les rires. Ça fait des flics, comme dit si bien Robert, qui contrôle et encaisse les pesettes. Cela nous a pas empêché pour autant de passer un séjour agréable. Après un contrôle de routine et fait la pointe en eau, nous sommes prêts pour continuer notre cap sur Bonifacio. Maintenant. Ok, c'est ok, regardez. Ok. On est ok là maintenant. Ah bah alors peut-être plutôt.
Le train, il est là-bas. Non, non, il est voilà, plein ouest. Oui, enfin, en gros, dans la Corse. Puis Vilma et Albert sur Tribord pour Bordel-Génois. Oui. D'accord ? Ouais, ouais. Il faut une fois que la grand voile est en haut. Une fois que la grand voile est en haut, et hop. D'accord ? Ouais. Vous le direz de toute manière. Oui, oui. C'est clair pour tout le monde ? Oui, oui, ouais. Juste la petite. Serge, c'est bon ? Comment ? Bah. Ah ben tu es obligé de sortir la noire à vous. Ouais, mais oui. Voilà. Là-bas, revenir à bord, ok ? C'est ok, regarde ! Non, c'est ce que non, il n'y a pas tout. Pas tout, là. Non, non, il faut aller là. Débordé, c'est bien, c'est cela. Voilà. Jean-Claude Oui, mais t'as quand même eu le marché. Hein, c'était quand même beau, ça valait quand même le coup. Oui, alors retourne pas le couteau dans la plaie. Hein. Tu ne payes pas ma tête. Hein. Non, c'était sympa. Bah écoute, ouais. Le supermarché m'avait dit c'est à 10 minutes. Oui, non, mais attends, t'es en Espagne. À 10 minutes en Espagne, c'est combien ? Ah, bah, tu sais. Même pas en Suisse, ils n'ont pas les swatchs. Oui, mais enfin, c'était, m'avait dit, c'est au bout du quai, il y a une petite place, il y a le marché, il y a le supermarché, etc. Moi, je pensais que c'était plus pratique d'aller là, puis on achetait tout en même temps, le sel, le cornflakes, les fruits, la viande et les légumes et tout ouais, ça. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais ça, c'est nos habitudes à nous, quoi, en fait. On va au supermarché, on achète tout. Et... Mais c'est vrai que même en vacances, on n'en sort pas. Non, c'est vrai que le marché, après, quand on est allé au... Il y avait tout. Il y avait tout. C'était magnifique, ouais. Mais moi, je ne l'avais pas vu, ce marché. Nous, on avait fouiné déjà avec Serge, enfin, avec les garçons. Avec les garçons de la bande. C'est vaut mieux de l'achever directement que de laisser souffrir. Hein. C'est sûr. Hein, tu sais, je voyais le machin qui faisait des petits coups. Là. Voilà. Quoi ? Il est beau, hein, que la couleur argentée qu'il a là. C'est vraiment... Après l'excitation de la pêche, une admiration mêlée d'un peu de dégoût pendant la mise à mort et le vidage de l'animal, quel privilège de préparer ce superbe maquereau pour notre équipage. Lever les filets, saler, poivrer, quelques rondelles de citron et le tour est joué. Ce plat est d'autant plus apprécié qu'il aura été le seul et unique fruit de notre pêche.
ceci est à l'image du bel esprit d'équipe qui nous anime. Chacun donne de ce qu'il sait, de ce qu'il est, et le plaisir est pour tous. Je vois une corde à linge avec des pinces à linge. Sans bouger du tout. J'ai déjà été en Corse, Jean-Bernard? Non, jamais. Allez, jamais dans le Corse? J'attendais justement de faire ce voyage pour y aller. Non, mais vous faites quoi là-haut là? Ça fait la quatrième fois qu'on change, qu'on vire de bord. Mais non, t'as pas compris. Là, on fait un exercice de l'homme à la mer. Oui, mais ça fait combien de fois que vous recommencez l'exercice là? C'est la cinquième fois ou la sixième fois? Mais normalement, il attrape le bonhomme. Hein. Mais là, il faut attraper le petit machin. Oui, il faut courir un peu plus vite et avoir le bras un peu plus long. Et des fois oui, ça sert. Ouais. Douceur de ces moments où chacun se retrouve seul avec ses rêves, ses pensées, ses lectures. Torpeur légère dans laquelle nous emmène lentement la nuit qui tombe. Splendeur des couleurs du ciel et de la mer qui se mélangent subtilement. Saveur de ces moments où l'on fixe les images dans son esprit, les souvenirs sur le papier. Bonheur d'être là, tout simplement. Je suis fascinée de me trouver entre ciel et mer, d'être si proche des éléments, entraînée dans la valse des vents, des vagues, de la houle. On est posé là, toute petite communauté, sur une surface restreinte. Et l'horizon qui est tellement vaste.
J'imagine aussi toute la vie qui se déroule au-dessous mystérieusement. Et puis c'est beau la terre vue de la mer. J'admire la magie des couleurs, la roche brune, rouge, sauvage qui plonge dans l'eau turquoise. Et sans oublier bien sûr les mouillages, la saveur des baignades et bien sûr l'odeur du pain grillé. Pour moi c'est le contraire. Hein. Ça vous a fait rien. Ça, c'est pas logique. Non, non. La flamme, elle est, elle descend. Et là, elle monte à chaleur. Tu vois bien? Mais, oula, je vais nager tout de suite. Et je vais voir le cimetière d'Assévignon. C'est très joli, hein. Mais t'as vu, il y a des vaches, hein. Fais attention, hein, parce qu'elles sont méchantes. Des vaches? Elles mordent. Pourquoi? Barré! Barré! Elle est dans le sable. Arrête. Bon, mais là, il va y avoir une dérive parce qu'elle est. Ah, mais il faut qu'elle s'accroche au sable. Hein. Voilà, là, c'est accroché. Là, je le sens. Tout de suite, accroché, là. Elle est là-bas. Mesdemoiselles, messieurs, avec les moyens du bord et grâce à nos voisins zurichois, des tortellini aux champignons et à la crème. Ouais, 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 pas mal. Et ça fait un Mamma mia, c'est là. Merci. Alors, aux messieurs skippers, il y a... C'était des champignons en boîte. Oh, when I say 9, 10, 11, 2, on we go. Strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till bright daylight. We're gonna rock around the clock du mousqueton. La soudure. C'est grave. La soudure du mousqueton. On t'envoie MacGyver pour faire une soudure. Merci. Voyage, au temps suspendu, distance abolie, nos corps se meuvent dans des arabesques entre ciel et mer, pareil aux silènes. La lune, tête de nourrice, nous veille. Le soleil à l'aube la surprend et nous assomme. Peu d'hommes rencontrés, seulement quelques paroles échangées. La mer nous saoule de grands espaces. Que sommes-nous dans ce monde qui s'ouvre? Deux voiles, une coque et des rêveries.
Bien peu pour que notre souffle suffise à notre imaginaire. Peut-être que la vie, la vraie vie, se réduise à peu, à l'essentiel, un peu de rien. Comment choisir entre liberté et civilisation? Question trop cruelle, je suis trop faible, je crois. Jamais ces moments privilégiés ne m'abandonneront. Qui levait le coude assez souvent n'avait pas de mal à savoir d'où soufflait le vent. Le pauvre moindre courant d'air se retrouvait le cul par terre, les jambes en l'air. Mais depuis lors, les temps ont bougrement changé et le hachis a fait sa fête au Beaujolais. Maintenant, quand tu dragues une nana, t'as qu'à lui murmurer tout bas: Marijuana, Marijuana. Boire un petit coup, c'est méprisable. Boire un petit coup, c'est plus dans le goût. Y'a plus que les camés qui vont dessous la table. Boire un petit coup, c'est plus dans le goût du tout. Aux communions, quand je chante le petit vin blanc, je deviens la risée de mes propres enfants. Je me fais traiter de tocard, de réactionnaire, de ringard par mes bâtards. Quand je bois le pastis à l'heure bénie du berger, je planque mon verre pour leur faire croire que je bois du lait, car mes enfants ont de la malle et les... Ah, il est avant moi.